Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie du jeu. Et cette fois, on continue notre ascension de la route victoire. Agressé par jusqu'ici, mais la dernière ligne droite est tellement longue. Agressé par Sébastien. Non, Florimond. Florimond. Pourquoi Sébastien? Oh, je sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Oh, Miss Dibule, il est trop mignon. Oh, je sais pas si Gambito sert à quelque chose ici. Hein. Bon, je vais essayer de le paralyser. Ah, mais non, je vais méga évoluer. Moi, je pars direct. Bon, c'est dommage, je veux dire, là, j'aurais dans ce flamme, comme je souhaitais avoir. J'aurais bien tué, mais voilà. Les vents n'étaient pas favorables envers Jinoga dans ce let's play. Heureusement pour lui. Ah, stockage, ça monte tout. Je sais pas si mon petit suffira. C'est vrai qu'il a Hyper Cutter, il ne peut pas aller le one shot. Oh, non, bah, la paralysie. Tu vois, je voulais faire. J'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, est-ce que je fais comment ça s'appelle? Très intelligent, bravo Mistibule. Est-ce que je fais coup de jus ou tonnerre? Je me suis dit, bon, allez, fais tonnerre, hein, voilà. Peut-être que t'as une chance de le one shot. Parce que je voulais le paralyser, et je l'ai paralysé, même avec tonnerre. Alors là, moi je dis respect Jinoga. Mon rêve s'arrête là, encore une fois. Mais non, mais tu sais, tu peux continuer, même si t'as perdu. Hein. Mais non, il doit retourner au centre Pokémon, là, à cause de toi. T'as fait un bon bout de chemin, continue sur ta lancée et deviens maître. S'il y en a un qui peut réussir, c'est bien toi. Non, 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 je voulais pas prendre le vélo. Ouais, je savais qu'il y avait un truc. Bah, c'était... Non, c'est pas là. Ah bah, c'est où? C'est peut-être plus... Ah mais d'accord, il était entre les deux. Attends, quoi? Il est entre le rocher. Ah oui, d'accord. Il est devant. Non. Je crois que c'est parcours. Bah, pam. Ah, qui d'autre, voyons. Qui d'autre? Alors, en haut, en bas. À droite, à gauche. En bas, ça va être sombre. Je pense que c'est pas là le bon chemin, donc je vais y aller. Ah! Dis donc, t'as pas l'air mauvaise. Malgré ton âge, ça me donne envie de me donner à fond. Alors, c'est qui de méchant, là, en qui bas, t'a en bas, là, c'est le Megalito, la terreur. Ah non, la terreur, c'est mon absolu. Malgré ton âge, tu as l'air fort. Bah oui, je suis fort, c'est normal. Alors, Pompéto, est-ce que tu peux battre un Pokémon ténèbre feu? Après tout, à 21 ans, heureusement que je suis fort. Hein. Attends, il est que niveau 43, mais t'es nul, toi. Bah ouais. Allez, regarde. Je t'habitue à plus fort. Et je méga évolue parce que je suis un fou. En tout cas, je pourrais faire méga évoluer mon sapin de Noël aussi. Je n'y pense pas. Sapin de Noël? Depuis quand t'as un Blizzy? Mais non, mon sapin de Noël, c'est Junko. Ah. Ah mais d'accord. En fait, c'est super nul, puissance cachée. Bon, un papier dedans, ça suffit pas à rendre Pompéto viable. Je ne peux plus utiliser d'objet, je ne peux plus utiliser ma méga gemme. Ah, trop tard, tu l'as déjà utilisé. Non, parce qu'en fait, mon Jinoga a une puissance cachée haut. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Non, tu l'as jamais dit. Oh là là, la bourdon, ça va te faire mal, Tangalis. Oh là 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 là. Oh, bah moi, je suis un peu fou fou. Bon, allez. Allez, on reste, on est des fous, allez, on va le paralyser. Oh là 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 là, il a eu mal le temps. On va le paralyser, comme ça je perds plein de temps, parce que voilà, j'aime bien perdre du temps, moi. Bravo, Compéito. Oh non! Oh non, pas machination, voyons, monsieur. Voyons. Allez, oh, on reste dans la légalité, là, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui es-tu? Bon, bah, je vais changer de premier Pokémon et... Non, mais pas Phytomixer, quoi! Je vais mettre Rioleia en première! Bah tant pis, je vais faire tonnerre, là tu devrais lâcher. Du coup, il y a quelque chose vraiment en bas ou pas? Ah mince, ça fait descendre aussi. Mais du coup, il y a des flammes. Fumes, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand il y a du feu, c'est le bon chemin. Ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis. Alors du coup, vaut mieux descendre là-haut. Avant de... Bon, désolé, je suis descendre bête. Là-haut, c'est très bizarre comme phrase. Hein, mais... Y a rien là? Ah non, c'était le pont dont on venait. Ah oui, donc là, il y a une Pokéball et c'est un Max Elixir. Ah. Sérieux, avec une Pokéball? Ah ok, non, elle était là, ok. Non mais t'es tellement en avance sur moi que... T'as vu comment je cours trop vite? T'es jaloux? Tu veux les mêmes chaussures de sport que moi? Vas-y, je vois, tu triches là, tu prends le vélo, moi aussi je prends le vélo, regarde, je sais le faire. Bah oui, mais t'es devant, c'est pour ça que je me prends. T'es pas très maligne, toi. Tu caches la musique. Mais non, il y a toujours la musique. Ah. Justement. Moi je sais pas, j'ai pas la musique dans les oreilles. Alors, on continue. Oh, dur de combat. Eh mince. Nous formons une équipe invincible. Ouvre bien les yeux, nous allons te le prouver. Un combat? Mon petit dresseur. Mesures-tu les conséquences de tes actes? Je suis pas très malin puisque mon Jinoga va mourir. L'Emiya. Laisse Emiya. L'Emiya. L'Emiya, il y a plusieurs Mia. Ah, un combat de fossiles. Bon.
Ça va pas le faire. Je sais ce que je vais faire. Et on va essayer. En fait, ça sert à rien ce que je vais faire. Donc je ne sais pas en fait ce que je vais faire. Tant pis, je suppose, hein, on va y aller. Oui, bon, c'est sûr que faire amnésie sur un Pokémon, c'est pas le meilleur truc. Moi, je pense que tu vas mourir, Jinoga. Je suis désolé. Avec un peu de chance, ils vont être bêtes. Ils vont essayer d'attaquer plutôt la Gyarados. Je ne sais pas. Bien. Saumur, ah bah non, hein, non, hein, c'est mieux d'attaquer lui. Hein, il est presque mort. Merci, le pouvoir de l'amitié. Bon, qui c'est qui va te venger? Allez, Rioleus. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il va faire, Rioleus? Il est énervé là. C'est l'Armaldo qui l'a tué, donc il est énervé. Il est tellement énervé que... Oh, il y a boum. Ah, mais on provoque pas la colère comme ça, tu vois, impunément. Bah oui, tu peux faire... Bah ouais, mais c'est ouais, comme ça. Un papier aux dents, c'est vraiment pas suffisant. Oh, Rioleia, elle veut pas mourir. C'est bien, Rioleia, je suis fière de toi. Bon, c'est vrai qu'après, je dis, hein, papier aux dents, c'est pas suffisant, et il avait fait amnésie. Bon, allez, faut tuer ce Vasilis maintenant. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, t'inquiète. Là, j'ai besoin de beaucoup de soins, par contre. Par contre, il m'a fait mal. Quand même. Bon, une ovation pour Rioleia. Quoi, qui a bien survécu pendant ce combat. Oh. Et qui a failli mourir à deux reprises. Boum. Comment est-ce possible? Tout est de ma faute, excusez-moi. Je ne sais pas qui avait qui, mais c'est le Vasilis qui a bien géré. Ouais, c'est juste un Pokémon garde la défense, quoi. Soigner, oui, je veux bien. Ok, bon, bah, t'es déjà parti. Ouais, bah, je suis à fond, là, moi, je... Bah, je sais pas si t'as besoin d'aide pour que je te guide. Non, à ça gauche, va. À gauche, il y a un truc... Attends, mais on peut descendre, je vais en fait. Descendre, moi. À mon avis, on sort, je pense. Ouais, on sort. Du coup, il doit y avoir... Oh, une CT. Un Psycho. Ah, Psycho, je veux. Ouais, bon, enfin, moi, j'ai pas spécialement besoin, mais... Bah moi c'est parce que j'en ai marre qu'elle est rien en fait, la demoiselle Latias. Bon, je la laisse encore avec Balbrume, je pense pas que ce soit si nul que ça, mais... Bon, Balbrume c'est sympa, ça baisse l'attaque spéciale ou la défense spéciale, mais disons qu'il y a pas beaucoup de Balbrume. Oh, il y en a autant que des Psycho, je chipote. Non, je veux encore le... Parce que Psycho c'est quand même légèrement plus puissant, je sais plus. Bon, allez, alors toi le vieux, mieux, toi t'es un vieux toi. Un mieux. Tout bavardage est inutile, montre-moi ce que tu sais faire. Oh, la colère. La colère de l'expert. Sigmund l'expert. Le caraclé de l'expert. Vas-y, Rioleia. Jinoga. Contre le caraclé. Non, je veux pas faire fuite. Ah oui, non, il y en a que 5 des belles brumes, j'ai dit des bêtises. Mais pourquoi tu fais tenacité? C'est pas gentil. Il n'a pas déjà fermeté. Mais si, en plus. Hey, Jinoga, remeurs pas, hein. Tu restes en vie. Oh non, la vengeance. Oh non, pas la vengeance. Non. Quoi? Mais il est super nul, ton caraclé, là. Mais jette-le à la poubelle. Voilà, Rioleia, gagné. Moi, je ne comprendrai jamais l'intérêt de... Psycho de poule. Je comprendrai jamais l'intérêt des NPC qui font ténacité. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils veulent pas mourir. C'est pour quoi faire? C'est pour faire durer le combat. Mais pourquoi? C'est comme détection. Pourquoi ils font détection? Ils ont pas de reste, ils ont... Ça sert à rien. Mais c'est pas grave. Alors, là, il y a un rocher, ça doit être pour un objet. Ouais, je pense. Par contre, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'on peut l'emmener que vers le haut, le rocher. Alors, je vais sauvegarder. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut le monter une fois. Ah, mais je pense, ouais, que, en fait, faut juste le monter une fois. Et après, il faut le pousser. Ah non, faut pas le monter qu'une fois, en fait. Tu peux pas le monter? Et après, là, faut le pousser. Et on peut le pousser, là. Ah, ouais. Et là-dedans... Lance-flamme. Oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois pas la Pokéball, en fait. Oh. Moi non plus, hein. Je t'avoue, je la voyais pas. Bah, tu vois, ton vœu est exaucé. Ah là là. J'ai des larmes de joie, là. C'est pas moi qui ai... Oh, tu peux aussi la prendre. La Gyarados. Tu peux cracher du feu. Bah, déjà que tu peux faire des flagrations. Ah, ça y est. Faire, je vais pouvoir apprendre Psycho à ma petite Rioleia. Au revoir, Larcin. Je ne t'ai jamais utilisé en combat. Mais on garde en mémoire que tu étais présent. Hein. Oui, Psycho, c'est beaucoup plus fort. Enfin, c'est beaucoup plus fort. Je passe de 70 de puissance avec Balbrume à 90 avec Psycho. Ok, on peut reprendre. Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais il y a un Pokémon sauvage.
qui se balade, je voudrais voir ce que c'est. C'est un Charmina, ok, j'en veux pas. Oh, c'est pas gentil pour Charmina. Bon, allez, on peut continuer. Oh, attends, non, c'est... Oula, il y a... Ouf, non, c'est pas plusieurs chemins, en fait. Ça, on c'est peut descendre. Non, là, c'est le bon chemin. En fait, il y a rien à droite, j'ai l'impression. À gauche À gauche, pardon. Ouais, il y a juste un dresseur. Je vais l'affronter. Mais je te tue quand même. On s'entraîne tous ensemble avec les membres de ma famille. Je ne perds contre personne. Ah, c'est donc lui. Toi, te voilà le enfin. Le bon à rien qui reste dans la route victoire, c'est pas pourquoi. Adalbert, le professeur. Électrode. Ouh. Qui va être le plus rapide entre mon chien électrique et ta balle? Il est bien décidé oh à en non, découper. Pas mur lumière. La méga évolution. C'est la clé de la victoire. Je vais rien lui faire. Exactement. Bravo. Ça mérite d'envoyer Thierry là parce que voilà. Ah non, il est quand même plus rapide. Hein. Quelle déception. Bah non, le boost de vitesse n'est pas présent encore au premier tour en fait. Non. Bon, ça sert à rien, du coup. On va envoyer... Ah bah non, j'allais dire, on va envoyer la Gekko. Non, certainement pas. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que je peux... Pourquoi j'ai peur de destruction? Bah parce que ton Absol, il est nul. Enfin... Mais non, mais... Il est nul en... Ah bah... Mon cerveau, il reste bloqué en 4G, comme quoi, ça fait super mal. Mais maintenant, c'est devenu super... Oh bah alors là, moi, je me sens triste pour l'électrode. Non mais, alors là, non mais, je demande une minute de silence pour cette électrode. Il a explosé. Et mon Jinoga... pas mon Jinoga, mon Pyrex l'a évité. Je sais pas comment il a fait pour éviter des bombes. Bah, c'est, il a fait une roulade au bon moment. Il a fait une roulade au bon moment. Mais c'est le pouvoir de l'amitié. Darumacho. Moi j'aime bien Darumacho. Alors, qui c'est qui va l'exploser? Rioleus ou Lagiacruz? Je te laisse le choix. Bah, Rioleus. D'accord. Je lui fais un Draco Météor ou un Surf? Moi le Surf n'a pas suffi. Là, je lui fais un Draco. Ah, mais non, il y a le mur lumière, c'est vrai. C'est ah mince, ça. C'est vrai. En fait, bah, j'aurais dû envoyer Lagiacruz. Bon bah du coup je ne vais pas faire Draco Météor parce que ça ne sert à rien. C'est pour qu'il perde son attaque spéciale maintenant. Ah ouais c'est violent quand même. Cogno bidon, oh purée. Il va se suicider du coup? Bah non, ah. Il peut pas se suicider. Oui l'attaque marche pas s'il avait... Mais en contrepartie il est plus lent donc c'est pas grave. Ah oui il a encore des Pokémon après. Ouais il en reste un troisième. Bon, moi j'en vois. Il a quand même évolué depuis Ruby et Saphir. Il a quand même changé de team. Il a pris des Pokémon un peu plus corrects, parce que Darumacho, il est pas si mal. Allez en avant, Roselle. Je me souviens que j'avais joué à Darumacho en 5G, il était assez sympa. Ce qui sait qu'il va prendre 6 coups de bouge. Ah, Rioleus, mais ça sert à rien, pourquoi tu devais dire pas un machin? Non mais sérieux, on avale tout. Mais ça sert à rien. Pourquoi t'as ça? Bon, eh, finalement, je retire tout ce que j'ai dit, là. Bravo. J'ai peur pour ma Roselle, elle est... Oh, ça va. Oh, la bombe. Il a pas fait Bomberk. Moi, il m'a juste enlevé. Ah, c'est bon, il y a plus de mur de lumière, je vais pouvoir te faire mal. Il m'a juste enlevé Calque. Enfin, c'était plus Calque du coup. Et voilà, au revoir Albaltou. Oh non, je l'ai pas one shot. Bon, je sais qu'il a pas mal de défense spéciale quand même. Tu es plus fort que ma famille. Comment est-ce possible? J'ai déjà affronté ta famille. Tu es plus fort que ma famille, comment est-ce possible? Je suis... Tu es toi, techniquement, tu es déjà plus fort que toute ta famille, donc... Allez, j'envoie... Je déplace... Je mets Roselle en première, parce que voilà, c'est elle qui est plus en retard. Donc du coup, il y a vraiment rien ici? Je regarde... À mon avis, il doit peut-être avoir un item caché, je pense. Non. Non, il y a rien. Ah si, il y avait un item caché, mais le machin me le disait pas. Ah mais non, il est pas caché, c'est une Pokéball, en fait, on marche dessus. D'accord, ok. Bon, eh bien, je continue mon aventure. Ah mince, c'est vrai que toi, t'es un méchant. Les Pokémon Dragons sont les meilleurs, je vais te le prouver tout de suite. Je suis un adepte de Peter, maître dracologue. Du coup, vu qu'il faut aller en haut, vu qu'il y a les flumes, je suppose qu'on va surfer un peu, histoire de voir dehors. Ah mince, Hipporoi. Hipporoi, je sais jamais. Je me dis, oh, c'est un Pokémon haut, mais il est dragon, est-ce que je lui fais une attaque foot dessus? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, maintenant, je me pose pas la question, hein, pouvoir lunaire. Mais, Pourquoi tu regardes mon sac, Roselle? Je veux attraper le Pokémon. T'as pas Hipporoi, capture-le. On lui dira rien. Ah, elle est comme ça, Roselle. Hein. C'est bon, ça. J'ai tué l'Hipporoi en un coup. Oh, bah t'as de la chance, pas moi. Malheureusement. Jinoga, tu es nul. Je suis déçu. C'est pas vrai, T'es en train de dire que mon Jinoga, il est nul par rapport à ta Roselle, il l'a pas one-shot. Tu te débrouilles pas si mal. À partir d'aujourd'hui, tu es ma rivale attitrée. Ah mais, ouais moi, je me souviendrai pas de toi. Hein. Je me souviens déjà même pas de son nom, tu vois. Hakim. D'accord. Bien joué. Quoi de beau ici? Alors, mais là en fait, il me semble que ça sert à rien de sortir.
Ouais, c'est bien ce qu'ils nous ont enlevé. C'était pour nous faire perdre du temps. C'est ta faute tout ça. Mais qu'à me prévenir. Monte l'échelle. Ah, oh, de la lumière. Ça fait du bien. On court, on court, on court, on court. On y va à fond, à fond, à fond. Moi j'ai le répulsif qui m'a bloqué. Ah, on va affronter un cerveau et muscle, pas cerveau et maître. Didi, c'est dresseur, me parle, on fait comme prévu, c'est toi qui t'en charges, ok. Hey, un dresseur qui me parle. Vas-y, passe devant, t'es diplomate. Je vais pas parler. Juste passer devant. Adéné. Oh, un Buchana. Il va me faire hypnose. Eh, mais j'ai appris ma chouille. Mais en fait, la Gaïcru, ça prend ma chouille maintenant. Et ça veut dire que, en fait, sa méga évolution sert enfin à quelque chose. Oh, j'ai prédit le mania du Colossinge. Oh, il a prédit le pouvoir lunaire. Mais t'inquiète pas, je vais faire psycho sur Colossinge, en fait. T'aurais pu prévoir Bourdon. Oui, parce que dans X et Y, il apprenait pas ma chouille, la Gaïcru. Enfin, oh non, pas le Ventardier sur Compeito. Intimidation. Intimidation sur le Mushana, c'est très utile. Ah oui, moi, comment je suis en train de perdre un temps fou avec toutes mes intimidations. le Mushana, c'est un coup de cochon. Oh. Oh, le Ventardise. C'est pas un éléphant. Non, mais t'es pas sérieux, là. Non, je sais que c'est un monstre de la mythologie. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va faire, le Mushana? Hervénard, t'as même pas fait... T'as même pas fait hypnose? T'es pas un vrai Mushana, toi, en fait. Ouais, il a fait boule armure. Non. Mais je me sens triste pour lui, là, quand même. Pour la peine, je vais utiliser le pouvoir de la lune pour le punir. Moi, j'espère que le pouvoir de l'amitié va faire en sorte que le lac Gaïcrus attaque. Il ne se frappe pas tout seul. Moi, ça va. Compeito, elle a résisté à la confusion. Yes, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien, ça. Alors, en plus, tu vois, je suis à plus 2. Parce que moi, je suis un fou. Allez, au revoir, Mushana. C'est ta faute si on a perdu. Hein? C'est toi qui me déconcentre. Mais bon. Je sais pas si je garde Roselle en premier. Non, je veux pas mettre Roselle en premier. Je veux mettre un Pokémon plus cool. Genre Rioleia. Encore. Ah mince, moi je vais mettre Leaf en first parce qu'elle a plus de rien. Enfin, elle a plus rien, elle est en retard. Niveau de l'expérience. Oh, il y a des flumes à monter. Vite, montons les flumes. Enfin, c'est pas les flumes qu'on monte. Oh, oh. Attends. Il y a un truc là? Non. Y a rien? Non, y a rien. C'est joli. Oh, il y a un truc là. Ah, c'est là? Non, c'est là? Non, c'est où? Il y a un truc quelque part. Il y a un fer. Oh. Bon, si c'est juste un fer, j'en veux pas. C'est pas génial tout ça, dis-moi. On peut monter cette cascade? Je sais pas où t'es, toi, mais... Ah ouais, t'es là. Bon, je pense qu'on va essayer. Bon, moi, t'as l'air d'être mieux parti que moi. Et, un peu plus rapide. Oh, il y a une CT. Bon, bah... C'est Plécroix. Oh, ça va, c'est sympa. Personnellement, je ne l'utilise pas. Moi non plus, je pense pas l'utiliser, mais c'est sympa. Parce que là, dans mon équipe, de toute façon, il n'y a que Pyrex qui peut la prendre. Après, si moi, il y a Absol. Prends, mais je sais pas. Puis là, j'ai quoi? J'ai lame feuille, point boost, double baf, et... J'ai oublié la dernière attaque qu'il avait. C'est pour dire à quel point je m'en sers. Allez, waouh! Wow. Oh mince, c'est une cinématique! Bah oui! Mais je voulais vous regarder! Hé, hey, go! Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne t'attendais pas à me voir ici, pas vrai? Bah si! Merci d'avoir tenu ta parole la dernière fois, c'est grâce à toi Lo, que j'ai pu aller si loin. Si tu ne m'avais pas battu, je ne serais pas devenu plus fort. Non, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, je suis sûre que tes Pokémon et toi avaient traversé de nombreuses épreuves jusqu'à présent. Un coup d'œil suffit pour voir que vous avez beaucoup progressé. Regarde, il fait le timide. Ah non, il fait l'énervé maintenant. Mais cette fois, je ne perdrai pas. Je dois gagner pour remercier mes Pokémon de m'avoir donné du courage et de la force. En garde! Oh, attends. La musique, là, elle est sympa. Je sais pas ce que c'est, mais la musique est sympa. Timmy le dresseur veut se battre. Et si vous gardez cette musique pendant le combat? Oh. Oh là là. Oh, la musique elle est cool là. Ah, il... Oh. Attends, il y a ma barre de respect qui est montée un peu pour Timmy. Oh, et puis le combat sur les fleurs autour et tout. Oh, trop bien. Oh, la musique est sympa, je sais pas. Elle était pas là avant, je pense pas. Mais... Ah, c'est cool là. En plus, j'ai le bon Pokémon là en first. C'est super efficace, bravo.
Bah vas-y, moi aussi je veux Dracochoc. Non, c'est pas Dracochoc que je veux, c'est Dragon Pulse. Mais c'est pas Dracochoc. Dracochoc, si, c'est ça. Ah ok. Ah, je sais plus c'est quoi les noms des attaques en français. Mais... Eh bien joué là. Et franchement, chapeau à celui qui a fait cette musique. Chapeau. On a enfin un thème qui fait vraiment bataille là. C'est bien, c'est... Alors, ah. Delcati, c'est un combat pour Habanero. Allez, Sturdy. Oui, Sturdy. Oui, Sturdy, bien. Bien, bien. Alors là, là je te félicite là quand même. Hein. Ah, Timmy là-dessus. T'es cool. En plus, il me semblait pas qu'avant t'avais un magnéton. Si. Si, on avait un. Hein. Oui. C'était le genre de Pokémon le plus masculin de son équipe. T'as pas utilisé d'objet? Ah, oh, c'est bien là, j'ai du respect pour toi là, Timmy. Il en a pas. Hein? Il en a pas, non, je rigole. Magneton, techniquement, Habanero c'est mieux, j'aurais voulu un Pokémon par. J'aurais pas dû envoyer Delcati, Habanero, etc. Mais là, j'ai rien d'autre hein, pour battre le Magneton. Ou alors, je m'amuse avec Roselle. Oh, ça va durer longtemps. Je voulais faire Gardevoir versus Gardevoir. Enfin, non, il aura peut-être plus Gardevoir, on sait pas. Éclair! Si j'envoie Compeito, je vais prendre du temps. Bon bah tant pis, y a un Pokémon qui passera pas. Éclair fou. Non mais non, non Jinoga, non. Non, t'es pas un Pokémon physique. Arrête de vouloir prendre des attaques physiques. Dégage Delcati. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce que Magneton était pas KO, mais c'est vrai qu'il a fermeté en fait. Allez Timmy, je vais te montrer qu'est-ce que c'est un véritable combat. J'aurais dû te donner ta méga évolution, Junko, je suis désolé. Ah oui, c'est séisme, sa dernière attaque, c'est vrai. Du coup, Roselia, ça va être un travail pour Compeito. Mais tu fais pas de chanson, hein. Mais non. Je fais savais pas de chanson. Je fais pas chanson. Je savais qu'il allait faire ça. Non, j'aurais pas dû faire Bourdon. Oh, c'est pas grave. Ouah, Angeleuse. Tu sais, je méga évolue pas, hein. Oh là 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 là. Allez, bien joué. Ah oui, tu veux jouer comme ça, Roselia. Tu sais, moi, je fais papier aux danses, tu meurs. Hein. Ouais, Delcati est mort. Si tu refais Galam. Ça, non, ça oh là là. Tempête florale. Allez. Allez, je vais être méchant. Parce que bon, après tout, je suis méchant. Bon, non, trouve, va... tu vas pas refaire le même coup. Ça se trouve, il va tenir. Hein. Ah non, ça va, c'est... J'ai cru que t'allais encore envoyer les Lagiacrus. Ah mais si c'est si ça, c'est si il gagne. Hein. Moi, je vais envoyer Roselle. Oh mon dieu. Il est devenu intelligent. Tintin, c'est l'heure du duel. Ouais, il est beau quand même. Oui. Par le pouvoir de la Roséam que je n'ai pas équipé. Ah, tu vois, t'es pas mort, bien joué, tu vois, il a bien tenu ton machin. Eh bah je suis pas mort hein. Eh je t'en fais un autre. T'es content? Oui. Ah moi j'aurais pas eu ma méga absol pendant ce combat. Sauf si il bagarre de voir, mais j'en doute. Bah oui, tu fais dans slam. Oh j'ai pas pu faire un câlin à mon Pokémon. Il faut que tu le fasses vite. Ah non, en c'est fait. Là. Okay. Ah si, t'as quand même fait Taillad. Alors maintenant j'ai peur, est-ce que Absol va être vraiment plus rapide? Parce qu'en plus elle a plus de vie mais Absol... Bah, là, écoute, mon Latios c'était plus rapide. Après bon c'est vrai que Latios c'est plus rapide. Ma Gardevoir elle était aussi rapide en fait. Latios a une bonne vitesse. Enfin, c'est ce que je voulais dire, parce que Latios il est rapide. Bon je suis désolé du bon, coup... Bon je fais méga évoluer pour le fun même si Absol tiendra peut-être pas. Je suis désolé d'avoir tué Timmy. Parce que bon, la musique était quand même plus cool que... Allez Thierry, montre que t'es plus rapide que ce... Non, j'ai pas plus rapide. Tranche. Non, pas de pouvoir de l'amitié. Tu pouvais faire Taillad, tu sais, hein. Bon bah du coup... Du coup j'ai le choix, hein. J'ai vraiment le choix. Envoie Riolière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Fais Dracommétéor. Non, j'ai pas pris Dracommétéor. Après, il a fait dans cela, non? C'est pour ça qu'il fait mal. Ah ouais, mais mince, c'est pas plus rapide. Non, ça va, il est pas plus rapide. Ah, je m'en fiche! J'ai pu faire méga évoluer mon Absol sur ce champ de fleurs! Je peux... Là, ok. T'as pu prendre des screens? Ouais. Screens en masse? Ah oui, mais c'est pas moi qui suis sur ça! Dommage!
Non, mais normalement, si ça fait comme avant, et on pourra le recombattre ici à chaque fois. Oui, je pense. Comme dans les anciens. Bah, dis donc, tu m'as pas donné beaucoup d'argent, Timmy. Mais non, je suis un jeune garçon qui a pas beaucoup d'argent sur moi. Zut de zut! Allez, sois pas déçu. Merci de m'avoir pris en pitié. De ne pas m'avoir pris en pitié. Et merci de m'avoir offert un vrai combat. Merci à toi et ton équipe. Et merci à toi, Galam. Et à tous mes Pokémon. Grâce à vous, j'ai encore progressé. Ah, j'oubliais. Prends ceci. C'est un souvenir de ton combat contre moi et mon équipe. Surtout, Galam. Tu vas pas me donner ta méga gemme? Ah non, ça va, une pierre aube. Mais j'en ai déjà une. Parce que j'ai Adripix qui, tous les jours, dans ma base secrète, il me trouve des pierres. Oh, il est gentil. Et m'a donné une pierre aube. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à te battre. Mais un jour, je vais m'entraîner dur jusqu'à notre prochaine bataille. Mais promets-moi que tu m'affronteras à nouveau. Promets-le-moi. T'inquiète pas, je t'attendrai et je prendrai des screens avec mon méga Absol. Maintenant, il faut que je m'en aille vite de cette route. Pour pouvoir... Non, j'ai pas besoin de répulsif. Je pense que c'est vraiment la fin parce que ça va être la fin de la partie. Donc du coup, nous pouvons sortir de la route et nous dire au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Pour la prochaine partie. Salut.